Et tout le monde, c'est la source. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, je l'ai déjà tournée il y a environ 1 minute, mais malheureusement, j'ai eu un problème sur mon téléphone. Ça n'a pas filmé. Du coup, je recommence la vidéo. Alors, cette vidéo consistera à vous présenter le nouveau logiciel que j'ai créé en quelques jours. Alors, ce logiciel va vous permettre d'envoyer des SMS gratuitement et anonymement à n'importe quel numéro, que ce soit dans tout le monde entier. Donc on va pas perdre plus de temps, je vais vous montrer tout de suite. Donc vous pouvez voir, ça s'affiche comme ça, logiciel SMS gratuit by la source. J'ai mis une petite icône vite fait. Une fois qu'on le lance, il nous demande un nom de compte et un mot de passe. Si vous en avez pas, bien évidemment, vous cliquez sur pas encore inscrit. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez vous créer votre compte. Alors, je vais me le créer tout de suite. Alors je mets la source, le mot de passe, l'adresse mail. Je vais mettre la source @gmail.com. Ensuite, on clique sur s'inscrire. Une fois que si vous n'avez pas de message d'erreur, c'est que le compte a bien été créé avec succès. Je me connecte. Connexion. Ensuite, vous allez atterrir sur cette page. Bien évidemment, si vous avez un problème, vous cliquez sur aide. Il y aura tout expliqué dessus. Ensuite, vous allez dans API Key. Vous allez devoir rentrer la clé que je vais vous donner. Bien évidemment, je vais pas vous la passer tout de suite parce que je vais attendre quelques temps pour voir si la vidéo vous intéresse, si le logiciel vous plaît ou pas, si je reçois aucun retour et que le logiciel ne vous intéresse pas, si ça sert à rien que je donne des clés, etc. Donc, je compte sur vous pour mettre des pouces bleus et des commentaires et m'ajouter sur Discord si vous voulez avoir le logiciel. Donc, dans l'API Key, on va rentrer une clé que je vais vous créer une fois que le logiciel sera disponible pour vous. Dans Sendername, on va mettre mon pseudo. Dans Phone, je vais mettre mon numéro. Et dans Message, je vais mettre Salut la source. Tu vas bien? Et là, je vais mettre des numéros pour vous montrer que ça n'a pas été fait, que le message n'a pas été créé avant. Là, je lance le REC sur mon téléphone. Voilà. Je clique sur envoyer. On va attendre 5 ou 6 secondes, le temps que le message s'envoie. Si vous n'avez aucun message, une fois que vous avez appuyé sur envoyer, c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune erreur, que le message va bien s'envoyer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai bien reçu le SMS avec marqué salut la source, tu vas bien. Vous voyez qu'en haut le nom de contact, c'est la source, parce que c'est moi qui l'ai choisi dans Sendername. Vous pouvez cliquer dessus, cliquer sur info, cliquer sur le nom de la personne, et vous voyez qu'il n'y a aucun numéro. Donc ça montre bien que vous êtes intraçable, et que personne ne vous trouvera. Même si vous cliquez sur appel audio, vous ne pouvez pas. Vous tombez sur un numéro 527, 65, je sais pas quoi. Donc voilà, ça vous prouve que c'est bien anonyme, qu'il n'y a aucun souci à vous faire, qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je ne sais pas combien de pouces bleus je vais donner le lien, ça dépendra de vous. Et si je vois que dans les commentaires vous êtes motivé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao tout le monde.